Là, j'ai ouvert une porte, j'espère qu'il n'y aura pas de monstre, quoi. Pendant que je sauvegarde. Doux rêveur. Ah oui, j'aime de rêver. Que le doux. Ah, la vache. Énergie plasma, je prends. Non, je vais pas prendre des énergies plasma. Du coup, je vais faire ça pour je sais pas quoi, en fait. C'est bien. Eh bien, une explication très simple. Ah, bah, bah, c'est quoi ça? Ah putain, c'est scripté, d'accord. Oh la vache! Je crois que t'as eu peur, non? Putain, c'est un énorme Japon qui me prend en fait par le pied. C'est ce que j'avais dit en fait, c'était bien un boss. Oh la vache, la flip! Tu dois te libérer, non? Non, non, j'ai rien à faire, enfin ils me disent pas quoi faire en fait. Mais là en fait, ils te tirent sur le sol? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une petite zone jaune sur le pentacube? Si, mais Et je pense qu'il ferait mieux, tu ferais mieux de tirer dessus. Ouais, c'est ça. Non, mais cherche pas, j'ai trop eu peur, j'ai lâché mes trucs et j'ai rien touché. Non, mais c'est-à-dire que tu vas mourir. Et c'est déjà fait, t'inquiète pas. Ah, c'est-à-dire que t'es mort, en fait. C'est ça. En non, fou, parce que j'ai vu la vidéo de Dash et puis c'est sur ce petit segment-là qu'il avait fait. Sans deck. Est-ce qu'il a fait une vidéo là-dessus? Ah oui, c'est vrai, oui. Ce jeu, il avait marqué, c'est trop lolol ce jeu, comme ça. C'est ça. Oui, bah j'avais pas vu du coup, forcément. Et il y avait un passage comme ça avec un tentacule qui te traînait. Oui, c'est ça. Je pense qu'il serait judicieux de te défendre, vous voyez. Oui, mais comment? Bah, en tirant sur le truc jaune. Mais comment tu peux viser? Bah tu te retiens des lodus. Et tu tires dessus, quoi. D'accord, mais non, mais vise, vise, connard, vise. Mais comment tu peux viser? Mais je comprends pas, la logique. Ah, viser, oui! Je peux arrêter maintenant de jouer? Bah, tu ferais mieux de continuer un petit peu. Oui, je pense que c'est un boss, ça va bientôt, c'est ça? Bah, tu sais quoi, je te dirai pas. T'es méchante. Tu sais, tu sais ça? Ah oui, j'étais vilaine. Si vous voulez me punir, appelez le numéro en bas de votre écran. Je vais mettre ton numéro de portable, tu verras. Ah non, t'as pas intérêt. Ah, tu l'as voulu, hein. Ok. Non, re-zone de décontamination. Comme si j'ai envie d'y retourner, tu sais. Ah oui, un peu d'hygiène, merde. Ok, y'a pas besoin de contaminer, De toute façon, à la base, Monstre! Monstre! Et 3 balles! Hein? Ah non, t'es fier de moi, hein? Hein? Oui, oui, t'es fier. T'es très fier. Je pense que ce sera les seules 3 secondes de vidéo où je serai fier de toi. Non, là où je gueule aussi, je crois que t'es fier. Oui, bah, à chaque fois. C'est tout un art. Je t'emplis de fierté. Oh! Oh! Oh, je suis sale. Oh, tu es sale. Tu es dirty. Tu es répugnant. Je suis dorec. Non, c'est pas ça. Tu vois, j'aurais été seul, j'aurais flippé à cause de la femme, là. J'allais dire de la gueuse. Ah, la petite Kendall. Bien, tu sais le nom, je sais même pas, moi. Heureuse que vous soyez en vie, madame. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais... Ils ne doivent pas savoir que je suis là.
Je peux accéder à tout d'ici. Bon, je laisse la cinématique faire les trucs. J'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète... Mais en fait, je pense que c'est assez épique que tu sois seul lorsque les personnages apparaissent, parce que c'est les plus beaux hurlements. Oui, je crois. Surtout dans le troisième épisode que j'ai fait, le hurlement de fin était énorme, quoi. Quand le mort, il a parlé... Ah ouais, ouais, non, mais... Oh, Yu, il est raciste. Yu, il a perdu noir, il a perdu noir. Yu, il a perdu noir. Ok, retour dans la salle du début. Ouais, j'avance vachement. Retour à la salle de contrôle. Retour dans la salle. Oh, oui, le stock. Munitions. Je crois que je vais en avoir besoin. Tu penses bien fouiller les pièces? Aucune idée. Fouille la pièce. Attends, je... petite recharge, je la vends. Oui, c'est en retrait. Énergie passe maintenant, énergie passe maintenant dans trancheur. Je sais pas ce que c'est. Munition pour trancheur. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien que c'est pas le trancheur. Si tu lisais tes commentaires, t'aurais vu quelqu'un qui t'en a parlé. Oui, je sais, mais j'ai pas de trancheur en fait, donc du coup, je sais pas ce que c'est. Enfin, de toute façon, oui, je sais pas les noms de mes armes. Techniquement. Déjà. Forcément. L'arme de base, c'est le cutter plasma. C'est bien, tu le sais, toi. Je sais pas, ça s'appelle l'analogique. Non, ça s'appelle... Si un mineur son cutter plasma avec les points de force, c'est même pas ce que c'est. Non. Le cutter plasma, c'est l'arme de base. C'est ça, mais non. Je confonds toutes les armes, moi, à part, bon, mitraillette, ça va, mitraillette pompe, je connais la différence. Ça va, je commence. C'est grâce à l'aide pour deux. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, je rentre dans un sas, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Donc toi, tu as vu ce passage, donc, déjà? Ouais, je pense. C'est pas une... Le sas, c'est pas un énorme truc au niveau de la largeur? Si, c'est un tube énorme. Et là, je suis dehors, en fait. Enfin, dehors. On se comprend. On se comprend, comprend. Attends, je prends un petit recharge, là. Entrée zone sans gravité. Recharge. Entrée zone sans gravité. Entrée zone sans gravité. Je dois aller où? Là-bas? Ah putain! Putain, j'étais concentré sur là où je devais aller et puis il y a un monstre qui est apparu, quoi! Oh la vache, la flippe! Oh, j'adore. Non, moi j'aime pas. T'aimes pas, mais ça t'empêche pas de rigoler à ça. Oui! Mais je... contradiction! J'aime pas avoir peur, c'est tout. T'aimes pas avoir peur, mais t'aimes bien avoir peur. Bah, je. Ah, ouais, 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 il y en a un derrière, il y en a un derrière. Je te déteste, va cramer ta mère. Ah, vache. Ah merde, j'ai plus de kit de soins. Derrière toi, vite. Non, y'a rien derrière moi. Là, je suis dans une zone safe, on va dire, là, à peu près. J'espère. Dommage. Je peux dire que j'aime pas cette salle, déjà? Non, t'es toujours dans la zone de drame. Non, c'est bon, là, je... Une salle où y'a beaucoup de bruit. Et où là, j'ai l'impression qu'il y a un monstre. Ah non. La dame va m'engueuler, ça y est. Là, ça vibre, j'aime pas quand ça vibre. Non. Moyen kit de soins, oui. Je sais pas ce que je vais prendre, tiens. Je vais peut-être lire avant de prendre les objets qu'il y a sur le sol. Un couloir, un monstre là-bas. Non, même pas. Oh non, genre, non, je continue pas là. Il y a pas moyen. On se retrouve quand on a retrouvé la connexion, hein. À tout de suite. Voilà, on est relà, il n'y a plus de problème de connexion. Bonjour à tous, ici c'est Nubio et on se retrouve non, pour la bon. Suite de ce Let's Fail de Dead Space. C'est bon, on n'a plus besoin de ça, hein. C'est juste re, ah, puis c'est bon, hein. On va pas se faire chier. Hein. Re tout le monde. Je crois que j'ai flippé quand t'étais venu là, en fait. J'ai dit, oula, non, je me calme. T'as pris le Skype et t'as fait, ouais. Non. Pauvre petit. C'est quoi? Alors, ça là, putain Oui, quoi? Non, putain, c'est tout. Ah, putain, c'est tout. Je te disais, t'es toujours dans la zone sans gravité? Non, je suis dans la zone où il y a des trucs gluants sur les murs, là. Non, c'est... Ah bon, c'est très bien.
C'est quoi ces trucs? Il y avait un humain dans le truc de... Ah putain, c'est horrible. J'ai pas envie d'avancer, c'est normal. J'avance pas. Je cours, je m'en fous. Ah, je peux pas courir dans la menace. Ah, c'est dégueulasse. Re, et désolé. T'étais pas là, genre? Si, j'étais là, mais en fait, comment dire, une éruption paternelle. Ah, c'est ça? C'est ça, pour ça que j'ai coupé une phrase. C'est pour ça que je t'ai plus là, enfin, je parlais seul. Ça, je me prenais plus. Oui, je vois exactement où tu es. T'as une sorte de truc par terre, là. Oui, une mélasse sur les murs aussi, partout. Tu es innocent de croire que c'était de la mélasse. Non, je peux pas savoir, je vais arrêter là. T'inquiète pas. Quoi, oui, tu peux pas se péter dessus, ça te ralentit. Putain. Oui, je me rappelle. Tu dis ça comme si t'es heureux de me voir là, en fait. Bah ouais. Non, moi non, pas du tout, non. Tu vois... Oh, de la mélasse partout. Ah oui, ça s'appelle de la corruption. Ah, comme un terraria. C'est ça, sauf que dans terraria, c'est juste des arbres violets. Des arbres gentils. Et des poneys. Tout le monde, il est beau. Y'a pas de poneys ici. Tu l'as senti comme pour un peu ça. Et la corruption en question, c'est... Putain, monstre, Big Mac ta mère. Big Mac. Ben, je sais pas trop ce que c'est, en gros, que la corruption. Ah, tu sais pas, comment c'est pas. Big Mac encore? Ah non, encore pas Big Mac. Oh, le connard, il a juste couru devant moi, ce con. Ah, putain, connard de humain. Putain. Oh, ce combo. Non mais l'humain il a bougé, il a juste fait genre je suis là, je suis encore vivant mais pas longtemps. Connard, je te vais humain. Tiens, je te démembre. Ça prendra. Donc la corruption apparemment c'est une matière organique, donc c'est un truc vivant. Oui, ben, j'ai l'impression d'être dans son intestin en fait, du monstre. En gros, ouais, c'est une sorte de... Je pense que c'est, ouais, c'est une matière organique, d'après les images que j'en vois, là. Putain, mais non, mais j'ai pas envie, quoi. Mais non. Y'a pas moyen que j'avance, quoi. Ouais, vas-y, faut pas ta pute. Non, faut pas ta pute, je verrai bien dans le jeu, tiens. Non, j'ai en train d'y jouer, pourquoi pas, vous voyez. Oh, ouais, j'avoue que être vraiment dans le truc, non merci quoi, mais Ah, vivant c'est console... Big Mac, vivant c'est console Big Mac en effet. Non mais comme on disait avec Pingu, je pense que si c'était en vrai, je me suiciderais quoi. Ouais, bah j'avoue, j'avais vu une discussion, je sais pas du tout, parce que ouais, au début tu sais pas ce qui se passe, mais quand tu vois tes compagnons se faire joyeusement démembrer dans la piste des côtés... Ah bah c'est la réaction que j'aurais eu aussi. Non mais genre le monstre là, il se croyait où là? J'aime pas ça. Je vais attendre un peu une fois que ça se fasse. C'est ça, j'ai bien fait. Oh. Monstre gentil, tu parles? On n'est pas au pays des Casimir, malheureusement. Non, on est au pays des Bisounours avec des grandes lames longues des mains. Des tout-poutous. Tout-poutous, des monstres, des Big Mac et des monstres. Big Mac. Big Mac. Avez-vous déjà vu? Ce serait pas mal ça au début de l'épisode. Avez-vous déjà vu un Nubian en train de crier? Oh, je vais faire ça, tiens. Ah, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents? Merde. Bon, c'est... Du coup, ce passage de discussion... C'est alors, ça, voilà, hein. On va dire que je ne parlais pas, hein.
Faudra qu'on enregistre en off alors des conneries qu'on va dire. C'est ça. Voilà. En fait, on va couper le passage où je dis des conneries, tu vois. On va dire qu'il y avait pas de monstre et tout, genre j'ai pas gueulé une fois, tu vois. Genre tu non, vois. Non. Les passages où tu gueules, tu les laisses. Non mais tu vois, je coupais une petite heure, ça va, hein, c'est pas. Pas grand chose. Non. Non oui, en fait, on va dire que je reprends maintenant, hein, donc en fait, j'ai coupé un passage où je spoil. Ah putain, des monstres! Non, tu coupes pas ça. Non, en fait, non mais comment dire. Vas-y, parle, parce que moi je suis en train de me combattre là. On mettra nos voix qui disent. Quelque chose. On va dire qu'on fait quelque chose pendant. Pendant quelque chose, voilà, hein. Laisse les cris et laisse les images. Il y a plein de monstres là autour. Il y a plein de monstres. Oh putain, un boomer, j'ai l'impression. Il est en train de se déchiqueter lui-même. Ah, c'est des Big Mac. Ah, ça fait partie de lui. J'ai l'impression que les Big Mac fait partie du boomer, enfin d'un gros truc, d'un gros affecté. Non, c'est pas ça. Attends, je sais pas. C'est pas moi qui ai défoncé petit. Non, mais tu as déjà vu, toi, ce passage. Techniquement. Putain. Ah, oui. Il est pas accroché au mur. Non, pas du tout. Non, tant pis. Recharge. J'ai l'impression qu'il est en train de bouffer son copain, lui. Oui, si c'est des impressions comme la Raymonta qui te défend, hein, c'est... Oui, on va s'en passer, hein. Je suis en train de crever, je peux même pas soigner, quoi. Ah, non. Big Mac, méchant Big Mac, méchant. Est-ce que tu vas nous faire les extensions de Dead Space? Des extensions? Sérieux? Ouais, les... Comment dire, des trucs sur le côté, un peu comme la Half-Life Opposing Force ou des conneries comme ça. Bah, tu me le payes, ouais, si tu veux. Je suis drôle. Tu m'étonnes. J'ai pas du truc genre... Ah non, c'est un schéma de kit moyen. Oh, bordel, faut que j'aille voir un stock maintenant, quoi. Vas-y, va voir un stock. Fais marche arrière, histoire que le jeu te mette de monstres. Y'a pas de stock par là, quoi, je veux dire, genre, maintenant, là. Parce que là, j'ai plus de vie, j'ai plus rien, hein. Bah, je sais pas. Et là, je sens que je vais mettre un truc, là, en route. Mise à feu. Oui, bien sûr. Il fallait être plus tard. Évidemment, des monstres. Sinon, c'est pas drôle. Évidemment! Des monstres! T'as raison, la danse, c'est pratique ce truc. Bah, faut dire que je recharge en fait. Sans crever! Sans chemise, sans pantalon! Le mode hardcore, faire le jeu avec un seul point de vie. Ah non, là je suis mort, ok. Bon, ça c'est un peu logique, ça c'est... Tu t'es fait déchiqueter comment? Bah en deux, tu vois, c'est genre le bide au cranché, tu vois, c'est... Encore? Genre, ça m'arrive tous les jours. Ça fait trois fois que ça arrive. Ouais, je me suis fait décapiter une fois quand même. Ouais, c'est vrai, mais il pourrait quand même te varier un petit peu, parce que là, franchement... Il pourrait me varier un petit peu. C'était horrible. Bah ouais, mais bon... Je sais pas, je trouve que ça manque de piquant. C'est vrai, quoi, c'est banal de... Ça manque de piquant, c'est des armes qu'ils ont au bout des doigts, hein. Ça pique. Ça pique. Un Pikachuya. Bon, ok, je suis à la salle d'avant. J'ai la moitié de ma vie, ok. Ok, je tire dans ton bide, ça ne fait rien. Je recharge vite. Là, il y a un gros qui sort derrière, là. Il
Ok. Ça c'est fait. Big Mac, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, s'il vous plaît, vous êtes sympa. L'Indien va me tuer pour le nombre de balles que j'utilise pour ces Big Mac. Mais t'as pas un truc qui les... Il sort de d'où les Big Mac en fait? J'ai l'impression qu'il vient d'un gros monstre. Ils sortent de la corruption au bif comme ça? Non, c'est juste que là, je suis dans une salle à peu près scriptée, on va dire. Ah. Des kits de soins! Des kits de soins! Oh. Cours, cours, vite! Cours, cours, va chercher des kits de soins. Oh! 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 Je suis plein de vie! Oh! Coquin. Avoue que c'est illicite. Oh! Oh, c'est illicite, il est plein de vie. Bon, je vais un peu voir ce qu'il y a un peu autour, s'il n'y a pas des kits de sang en rab, tout ça. Point de force! Point de force, point de force, point de force, point de force. Énergie de plasma, je prends. Voilà. En fait, là, j'ai recommencé le truc où j'étais avant, où il n'y avait pas de monstre. D'accord. C'est pour ça. Donc là, je prends mon temps, je sais que les monstres vont apparaître quand je vais activer le truc. Donc je me balade un peu hein, ce coup-là. Et ça va faire plaisir à chacun en plus, c'est ça qui est bien. J'espère que t'as continué à fouiller des pièces, hein. Ah bah oui, hein. Vas-y, on lui dira non, vas-y. Hein, on lui dira non tout à l'heure quand on sera sur Skype. Hein, hein, hein. Ouais, comme ça, quand on verra la vidéo, elle pourra nous insulter. Ouais. Elle va dire qu'on sera des gros connards. Ouais. Et d'abord, je ferai... Oh merde, c'est vrai, Yu, t'as oublié de fouiller les pièces. Oh bah zut alors. Oh bah zut alors, tu es un connard. Oh là là, dis donc. Bon. Par contre, le truc, il est... Il y a du bruit. D'accord, c'est moi qui mange en sang, je crois. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un truc genre moche, quoi. C'est pas comme si les monstres étaient beaux à la base, mais ça c'est pas grave. Juste recharger mon autre arme. Voilà, hein. Je suis bon, maintenant on tire. Maintenant. Tu peux le faire. J'ai activé le truc d'allumage. You? Oui. Je t'autorise à t'arrêter au prochain point de sauvegarde. D'accord, mais je pense que là ça va être un bon long moment, je crois. Cool. Bon, la prochaine fois que je perds, peut-être? Non. Non? Non, parce que là en fait on a une heure de discussion environ. Ah bon, c'est cool, ça va faire deux trucs de 30 minutes. On va être contents les gens. Ouais, putain, là il y a des monstres, là il y a du monstre, là il y a du monstre. Là il y a du monstre, là il y a du monstre. T'es méchant, méchant chien. Méchant chien couché. Des chiens. Oui, j'appelle ça des chiens, des trucs qui rampent. Je vais même pas prendre mes gigas de sang, je... T'as encore oublié les touches. Hein? T'as encore oublié les touches pour te soigner. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas prendre mes gigas de sang en fait. Je vais... Genre, virer ça. Énergie plasma, ça, déposer, ok. Je vais prendre le mini kit de sang. Voilà! Je dois aller où? Moteur prêt, confirmé allumage, oui. Allumage moteur. Démarrage moteur, j'ai pas confiance. Objectif atteint, c'est bien, j'ai fini le jeu, non, c'est pas ça, non? Non, c'est pas ça. Allez, crois-moi, tu es très loin d'avoir fini le jeu. Ouais, bah je pense bien, oui. Je m'étonne. T'as pas le droit de finir le jeu aussi rapidement. Je prends ça, ok, je dois me rebarrer maintenant. Je vais courir parce que j'ai pas confiance en fait. Et là, paf, des monstres derrière la porte. Non. Ah putain, le noir.
Je crois que c'est parti pour de bon. Ah, un truc de sauvegarde. Enfin une bonne nouvelle. Comment il est méchant hein. J'ai un truc de sauvegarde. J'arrête. Ah merde. Bah ouais, j'avais dit que tu pouvais l'arrêter hein. Attends, machin, un truc qui parle là, machin. Totalty. Moi qui pensais qu'il s'est continué encore. Ouais, moi aussi. Je suis un peu déçu ce coup là. Bah si tu veux continuer, continue. Hein. En fait, je vais faire comme, comme d'habitude. Je vais sauvegarder puis je vais continuer un peu après. Ouais, je... Vous pourrez certainement m'aider ici. Aïe. Oignon. Tu t'es coincé le pied sous ta chaise. Non, c'est juste que j'ai super mal au genou. Ah. Aïe. Quand ça m'arrive, je suis silencieux, mais là, ça fait super mal. Comme Superman, mais en... Ouais. Une crampe. Non, c'est même pas une crampe, c'est ça pire. C'est même pas une crampe, c'est le... C'est la rotule qui est pétée. Enfin, c'est le bordel, quoi. Je suis mal formé, quoi, c'est tout. Et là, je sens pas le truc. Je sens pas le truc. Tu es en accident. Non, mensonge. Mes parents ont pas fait l'amour par hasard. Ils sont pas fait flap-flap, genre... Flap-flap. Oui, flap-flap, c'est... Une équipe de sang, bien. Ok. On va continuer un peu, hein, Ça parle. Et bla. Attends, c'est sa femme qui lui parle là. Enfin, Nicole, je crois que c'est sa femme, je crois que je m'en fous en fait. Il y a une femme qui parle. Oui, sa femme en transmission de ses radios. Non, je reviens au début. Genre, je reviens au début du truc. Ah, sauf qu'il y a un monstre. Monstre, tu es un monstre, espèce de monstre. Hein. Mais attends, monstre. Il y a un stock tout ça, mais j'ai peur d'y aller. Et en fait, c'est bah vas-y, va au stock, hein, parce que t'as pas dit que tu voulais acheter des trucs de soins tout à l'heure. Si, mais ce truc, c'est que j'ai plus de place en fait de mon inventaire. C'est ça le truc. Mais t'as pas de truc inutile avant, moi. Mini kit de sang, petite recharge d'air, ça je vais. Ok, ça c'est bon. Ça en fait. Énergie plasma, dent trancheur. Non, munitions pour trancheur, j'ai pas de trancheur pour ça. M'en fous. Pour l'instant, non, mais après, je sais pas parce que ça a l'air d'être assez utile quand même. Ouais, ça je pense bien, mais bon, pour l'instant, j'ai pas. Tenue niveau 2, je pourrais acheter. La vache. Combustible, non, je m'en fous. Kit de sang moyen 5000. Putain, la vache. Oh, c'est pas du tout économique en plus. Un mini kit de soins c'est 2000, un kit de soins moyens c'est 5000. C'est dégueulasse! Genre. Arnaque! Arnaque! LOL! XD, arnaque! Oh, c'est quoi ce spawn de ouf en clash? OMG! OMG quoi! Bon, je vais sauvegarder une autre fois et je pense que je vais pouvoir aller au tramway en fait. Du coup, c'est là où on va se quitter. Terminer le chapitre? Ouais. Bah si tu peux terminer le chapitre, autant aller directement au tramway puisque t'as un truc de sauvegarde à la fin. Oui je sais mais je préfère sauvegarder là avant que je crève tu vois. Avant qu'il y ait genre un boss tu vois, genre tu sais quoi. Genre trop je sais quoi. Ouais mais tu sais quoi toi genre quoi trop tu sais. Tu m'en fous tu vas mourir. M'en fous je suis pédé. Oh. Ouais t'es pédé. Non mais le tramway il va déconner et puis là tu vas tomber dans le film. Ouais trop, je vais tomber dans l'infini et l'au-delà et il y aura Cartman qui me dira qui m'emmerde. Hein. Il te dira je t'ai fait manger tes parents. C'est ça. Donc voilà, je suis bien dans le tramway, ça va sauvegarder. Voilà. Au moins voilà. Bah je pense qu'on peut s'arrêter là, t'as bien avancé quand même. Putain, j'ai fait un chapitre en une session quoi. Mon dieu. C'est grâce à moi. Non, c'est pas grâce à toi, non, c'est... Et t'as bien gueulé en plus, c'est grâce à moi. Je trouve... Bah, ben, je gueule moins en fait, mais quand je gueule, c'est bien concentré en fait. Ah ouais. Toi qui te plaignais... Genre trop déconcentré, tu vas arriver d'un coup. Toi qui te plaignais que j'allais pas trop gueuler quand il y aurait quelqu'un avec moi. Oui, bah évidemment, je me plains. Tu te plains tout le temps, de toute façon, t'es un PD. Dans son... Oui, bah, en même temps. Voilà. Donc voilà, on est à épisode 4, impact imminent, enfin, sauf qu'on sera à ça la semaine prochaine. Oh. Avec un nouvel invité. Avec un nouvel invité qui sera... Je sais pas. Je sais pas encore. J'hésite. Voilà.
Je vais pas descendre du tram parce que ça me fait peur déjà, hein. Et donc on va se dire à bientôt et... Ah oui, tiens, t'as la pub pour ton let's play aussi, j'avais oublié. Dis donc. Oui. Dis donc. Mais que fais-tu comme let's play? Si tu fais des let's play? Ah, je fais des let's play. Ah, putain. Ça t'est noir, va. Le système de défense est HS. Kendra, si vous me recevez, voyez si vous pouvez trouver des rapports. Putain, non, mais il n'a pas le droit, quoi. De votre côté. Donc, c'est bon, je peux parler ou pas? Attends, il parle de sa mère, le noir et la le connasse. Il parle dans ses rapports, ils l'ont ramené de la planète. Espèce de méchant. On dirait. Il pense que c'est extraterrestre, mais je n'en sais pas. Il pense que c'est extraterrestre, oui, il y en a effectivement. La compagnie ne sait rien du tout là-dessus. Machin truc. Vas-y, ta gueule, j'ai chaud, j'ai envie de boire. On a plus important là. J'ai envie d'arrêter. Alors que vous me croyez ou non, on va devoir coopérer. Ah, en fait, il est méchant, le Black. Le Black est méchant, il est méchant. On est dans le champ de débris. Allez au quartier du capitaine, j'expliquerai tout plus tard. Terminé. Voilà, c'est mon nouvel objectif. Tu peux y aller. Que fais-tu comme let's play? Je fais un let's play actuellement sur Final Fantasy 9. Toi, c'était pas le 7? Ah non, c'est rien. Non, c'est le 9. Non, c'est... Tu sais comment j'adore les Final Fantasy, que je connais très bien la série. Bah, je sais que tu t'es jamais intéressé à ça. C'est ça, enfin, tu t'es toujours intéressé à ça. Donc, oui, oui, non. Pardon, oui, oui. Mais du coup, je m'intéresse grâce à ton, oui. Ton let's play, du coup. Désolé, j'ai fait une faute de frappe en parlant. C'est ça, c'est tu. Regarde. Oh, la faute de frappe! Ah, zut! Et voici une frappe par ta faute. Une frappe tentative! Je sais pas. Et bientôt, je vais faire des petits trucs sur de côté, là, sur une série bien hardcore qui s'appelle Toro. D'ailleurs, voilà. Tu fais aussi des tu as fait au début des vidéos sur des Toro que tu as fait toi-même. Ouais, des scripts en fait, c'est ça. Que j'ai, on va dire entre guillemets, codé. Oui, enfin t'as codé quoi, c'est tout, c'est... Ouais, en gros. Je sais pas si on peut appeler ça codé, mais... Bah t'as codé un truc sur un jeu quoi, c'est déjà pas mal. Voilà, on va dire ça. Des attaques, des conneries comme ça. Et bientôt je ferai les jeux officiels, histoire de me faire violemment tourmenter l'anus. Le pire c'est que t'adores ça quoi. Ah oui. Bah d'ailleurs on avait fait une vidéo là-dessus sur Fédération des Plots. Ah oui, sur avec le 9. Enfin le truc en ouais, duo, le quoi. 9. Oui oui, confirme en confiance, le 9. C'est ça, oui, moi je connais pas du tout là. Pour moi le 8 et le 6 c'est pareil pour moi. Hein, donc, Ouais je sais. Je vais choquer les je vais choquer les fans de Toho là, c'est mort quoi. Bon bah voilà. Et donc voilà. C'est fini pour ta truc. Enfin c'est fini non, parce que tu vas faire le Osmos Day avec moi cette semaine. Osmos Day 2 cette semaine qu'on va faire tous les deux. Ouais. Donc tu seras beaucoup sur ma chaîne dis donc. Ouais, j'ai beaucoup m'incrusté ces temps-ci. Ouais. Ouais. Mais ouais. Et mais puis, trop, quoi. Puis voilà, je crois qu'on va peut se dire au revoir maintenant. Juste attends, je vais te faire chier, mais tu pourras mettre une grosse image à la con là, sur l'écran. Lequel? Je sais pas, je trouve une image à la con et tu la mets. D'accord. Voilà. Si tu veux, enfin oui. Tes désirs sont des ordres, mon capitaine. J'ai envie de dire. Merci. Je sais pas pourquoi, mais oui, voilà. Aïe. Bon, sur ce, on va vous dire au revoir sur cette image de merde, hein, parce que. Voilà, sur cette image de merde, on va vous dire au revoir. Voilà, et à bientôt, salut, adios amigos, c'est Alarvidachi et El Queso de la Moite, ils se sont pas le foire. Et faites des enfants. Entre PD. Entre PD. Oui. C'est mieux. Et non pas entre pouvoir geek. Ce qui veut rien dire. Entre pouvoir de... Ah, entre Patrick Poirier d'Arbor. Ah, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein, voilà. Oui, on va s'arrêter là. Tchou. Au revoir. Maintenant, oui. Bon, oui.